Le pangolin est un placide, ni très malin, ni très rapide, qui affectionne son train-train et fout la paix à ses voisins. Mais si par hasard tu le manges, de sa façon simple il se venge, en glissant dans tes intestins, un super virus pangolin. Humain craint, la vengeance du pangolin. On a fait ce qu'on pouvait faire pour bien dégueulasser la terre. La biosphère nous fait la gueule, même les rochers nous en veulent. Les brindilles et les bestioles, tous ceux qui rampent ou ceux qui volent, tous se méfient du genre humain, le genre qui mange les pangolins. Humain craint, la vengeance du pangolin. Comme disaient les dinosaures, allez les gars, on tient encore, on craint pas les météorites, et s'il en tombe un, on l'évite. On n'est qu'une espèce qui passe, un rien dans le temps et l'espace, qui regrettera les humains, à coup sûr pas les pangolins. Humain craint, la vengeance du pangolin. Moi j'aimais bien le ciel à l'aube, ou quand tu tournais dans ta robe, les enfants qui poussaient des cris, les hauts et les bas de la vie. Mais je sens qu'il faut qu'on dégage, qu'on s'efface du paysage, et que l'on laisse à son train-train le très paisible pangolin. Humain craint, la vengeance du pangolin. Humain craint, la vengeance du pangolin.